bakitae Yawe fongola lola babeli babikae Yawe fongola lola basali babikae The Lord be of la parole de Dieu. Dieu nous a donné un sujet très important. God has given us a very important subject. Que moi et vous devons apprendre aujourd'hui. Bien aimé, quand on vient à l'église, c'est pour recevoir quelque chose. My beloved, when we come to church, it's to receive something. On ne vient pas à l'église pour le pasteur. We don't come to church for the pastor. On ne vient pas à l'église pour les autres. We don't come to church for other people. Chacun vient à l'église puisque il a besoin de du salut. Each of us come to church because we need salvation. La parole de Dieu nous écoutons bien et que nous suivons du jour au jour nous fortifie et nous réconforte. The word of God that we listen to and that we follow daily brings us peace. Quand quelqu'un ne connaît pas la parole de Dieu, when someone doesn't know the word of God, il peut faire tout ce que bon lui semble. They can do whatever they wish. Puisqu'il est ignorant. Because they're ignorant. C'est ça, la parole de Dieu nous dit ceci. That's what the word of God tells us. Mon peuple périt puisque my people perish. Je lui manque la connaissance. Because of lack of knowledge. La connaissance et l'intelligence, c'est Dieu, la parole de Dieu, c'est Dieu qui donne. Knowledge and intelligence comes from God. Amen, amen. Amen. Aujourd'hui, nous allons voir la promesse de Dieu pour vous. Today we're going to look at God's promises for you. Les promesses de Dieu pour vous. God's promises for you. Si c'est pour vous, c'est pour moi aussi. If it's for you, it's also for I. Amen, amen. Amen. Qu'est-ce que c'est une promesse? What is a promise? En italien, on dit bilaka. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est une promesse? Une promesse plutôt. What's a promise? Promesse, c'est quoi? C'est un engagement. A promise is like an engagement. C'est une parole donnée. It's a word that's been given. Verbalement ou bien par écrit. Verbally or written. Par écrit ou bien verbalement. Verbally or written. Amen, amen. Amen. C'est comme un serment. It's like a sermon. Une promesse. A promise. C'est quelque chose qui est très très important dans la vie de quelqu'un quand il est promis. It's something that's very important in someone's life. Il est en train d'espérer. He's happy, you're having hope. Puisque c'est une promesse écrite. Because it's a written promise. On l'a écrit, on l'a promis. It's been written, your promise has been written. Il est en train d'attendre. So you're not waiting for that. Mais on a fini pour vous faire recevoir ce que vous avez promis. You're waiting for that moment to receive what you've been promised. Nos parents nous promettent. Our parents have always promised us. Beaucoup de gens parmi nous peut-être ont eu une vision de la promesse de Dieu. A lot of people amongst us may have had a vision of the promise. Ou bien un message qui vient d'un prophète concernant une promesse que Dieu a donnée à quelqu'un. Or a message that comes from a prophet concerning a promise that God has given someone. Une promesse, c'est un acte. A promise is an act. C'est un acte qui consiste à donner. It's an act that consists of giving. Une promesse, c'est un acte, non pas une action. A promise is an act, not an action. Amen, amen. Amen. C'est une acte, c'est un acte, non pas une action. It's an act, not an action. Alors faire une promesse à quelqu'un. So giving someone a promise. C'est s'engager moralement. It's like you're morally engaged. Je m'engage. I'm engaging. J'écris ceci. I've written this. Comme témoignage. As a testimony. Pour que après deux ou trois semaines. So that 2 or 3 weeks. Tu es ce que tu as besoin. You have what you wish for. On promet quelqu'un. You promise to someone. Pour avoir une résultat après. To then give them a result. Mais la promesse de Dieu. The promise of God. C'est que Dieu nous promettons oui et amen. What God promises us are always yes and amen. Peut-être les gens. Maybe a lot of people in this world promising you. Ils peuvent mentir. They can lie. Puisque quand on te fait un acte ou bien une promesse. Because when you've given an act or a promise. Par quelqu'un. By someone. S'il y a un accomplissement. If there's an accomplishment. C'est peut-être pour quelqu'un qui est très sérieux. That's really coming from someone that's. Pour les autres qui sont moins sérieux. For those other people who are less serious. Ils peuvent promettre pour ne pas réaliser sans vous. They just promise not to make.
happen. They don't really happen. Amen. Amen. A lot of people have been promised things from their friends, but it's never been given. You borrow the money, they said, and they will give back in 2 weeks. Amen. 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 But it doesn't happen. Amen. 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 Even the children of God. Even among the children of God, the children of promise. Who are elected of God. Or the heritage of the promise made by God to Abraham. Et à ses descendants. And his descendants. Nous appelons les enfants de promesse, comme nous sommes les enfants de promesse. We call them the promised children. Parce que nous sommes tous des fils et des filles d'Abraham. Because we are all daughters and sons of Abraham. Nous sommes des héritiers de Christ. We are the co-heritage of Christ. Ça, c'est une promesse que Dieu nous a faite. That's a promise that God made to us. Nous sommes devenus appelés à l'héritage du ciel. We are elected, called by the heritage of heaven. Amen. 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 Parmi les gens, il y a aussi beaucoup de promesses. Amongst people, there's also a lot of promises. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a de fausses promesses que les gens donnent pour ne pas réaliser. Just like the promise you mentioned, there's a lot of promises that people do make, but they don't make it happen. J'ai dit tout à l'heure, il y a des gens qui respectent les promesses. Like I said before, there's people who respect the promise. There's a promise of friendship. There's even a promise of engagement. That some people don't even make happen. In this world, there's a lot of promises that don't hold. But the Bible declares that the promise of God is yes, amen. God's promises are beloved. And he promises us salvation. Amen. 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 Ça, nous allons commencer à étudier aujourd'hui. That's what we're going to look at today. Isaiah 55:11. Isaiah 55:11. Il nous dit ceci. Ainsi sera ma bouche qui sort. Et ainsi sera ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne reviendra pas à moi sans ce fait. Mais fera ce qui est mon plaisir et accomplira ce pourquoi je l'ai envoyé. So shall my word be that going out of my mouth, it shall not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, it shall prosper in the thing whereto I send it. Il a dit le même pour ma parole, pour ma promesse. Je ne reviens pas à moi sans avoir fait, donc sans avoir produit des faits, sans avoir réalisé ce que je voulais, sans avoir atteint le but que je lui avais fixé. C'est la même chose, mais c'est disons dans une autre version. Amen. 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 Toutes les bonnes paroles que Dieu a prononcées pour votre vie bien-aimée vont s'accomplir. All the words that God has pronounced for your life, my beloved. Quoi que Dieu vous ait dit quelque chose, sa parole
that God tells you his word is always true. La parole de Dieu ne s'envole pas. His word does not go in air. Il ne s'envole pas pour perdre dans les heures. His word does not go in air, it does not go anywhere to be lost in the air. La parole de Dieu produit toujours, au contraire, produit toujours des actes. The word of God always produces acts. Et ne peut pas retourner à l'éternel sans avoir fait des actes. It never goes back to God without having accomplished actions. Quand Dieu promet, il réalise. When God promises, he makes it happen. C'est pas bien aimé. Même that, si vous doutez parfois. It's not even if you sometimes doubt. Of God promises us salvation. Yeah.
of salvation. Nous lisons le droit en anglais et romain. Romans 10, verse 9. That if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, and shalt believe in thy heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. 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 Si vous croyez en Christ, qu'il est mort, qu'il est ressuscité des morts, vous avez le salut. Amen. 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 The promise of God. The promise of God. Croire seulement en Christ. Believe in Christ. Qui est mort et qui est ressuscité. Who has died and is resurrected. Tu as le salut. You have salvation. Question yourself. Okay. When Job saw problems arise.
thriving. Et pas un homme comme toi et moi. It's been a man like you and I. À un moment donné, il s'est posé aussi des questions dans son cœur. He was then asking himself questions in his heart. Papa, pourquoi ça? God, why this? Pourquoi ce problème arrive? Why this problem? Verse 5 in Job 38. Who has made the measures? If you know it. Or who has stretched the line upon it? Or who has stretched the line on it? Where God are the foundations fastened? Sacré angleur. Or who has laid the cornerstone, therefore. Amen, amen. Amen. Ça, c'est une des questions que notre Dieu a commencé à poser à Job. Those are all the questions that God will ask in Job. Pour lui faire voir sa grandeur et sa puissance. To show him how big he is. Pour lui rappeler que toi, Job, tu es un homme de promesses. To remind him that you are a man of promises. Tu vis dans mes promesses. You live in my promises. There you go. Yeah, well, now I'm going to visit Elizabeth and
Zachariah was Elizabeth's husband. Elizabeth, cousine à Marie, mère de Jésus. Elizabeth, cousin to Mary. Amen, Jesus. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Les anges sont allés aussi visiter cet homme. The angels also went to visit this man. En arrivant bien aimé. On arriving, my beloved. Message the angel brought to him. How can I know this?
to be at this age that I am. Amen. 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 Que ce par là que l'âge là se frappe de l'esprit, disons, de la maladie. Muet. Muet. It's there that the angel said that it will be muet. Il est devenu muet. He became mute. Affamé, il a dit, à partir de là, au profond de mon temple, vous le mettez, vous le voyez, vous le voyez. The angel just instructed him and said, from today you shall remain mute. Si, pas moi, c'est là, ton bota. Until your wife gives birth. So you can see the strength of the gods that you're doubting. Et comme là, j'avais promis, ça s'est réalisé. And as the angel promised, it came to pass. Nous allons, je te parlais de Samuel, chapitre 7. Chapitre 7, verset 18. Amen, amen. Amen. Nous allons lire Samuel. Chapitre 7. 2 Samuel, chapitre 7, verset 18. 18. Et le roi David entra et saisit devant l'Éternel et dit, qui suis-je, Seigneur éternel? Et quelle est ma maison que tu m'as amené jusqu'ici? Amen, amen. Then went King David in and sat before the Lord and said, who am I, O Lord? And what is my house that thou hast brought to me hither? Et encore cela a été peu de choses à tes yeux, Seigneur. L'Éternel, et que tu y as même parlé de la maison de ton serviteur pour un long avenir. Et est-ce là la manière de l'homme, Seigneur éternel? Et David, que pourrait-il te dire de plus de toi, Seigneur éternel, qui connais ton serviteur? 21. C'est à cause de ta parole, et cela ton cœur, et selon ton cœur, que tu as fait toute cette grande chose. Pour la faire connaître à ton serviteur. Amen, amen. Amen. Verset 22. C'est pourquoi l'Éternel, tu t'es montré grand, et il n'y en a point comme toi, et il n'y en a point de Dieu si ce n'est toi, selon tout ce que nous avons entendu de nos oreilles. 23. Et qui est comme ton peuple, comme Israël, cette nation sévateur que Dieu soit allé acheter, afin qu'il lui soit un peuple, et pour se faire un nom à lui-même, et pour opérer à leur faveur cette grande chose et des choses terribles pour ton pays, devant ton peuple qui était acheté d'Égypte, des nations et de leur Dieu. Amen, amen. Amen. Et tu t'es établi ton peuple, Israël, pour peuple, à toujours, et toi, Éternel, tu es devenu leur Dieu. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, les promesses de David à Dieu. My beloved, the promise of David. Dieu a promis des grandes choses à David pour sa vie. God has promised David a lot of stuff for his life. Tout ce que nous avons lu ici du verset 18 jusqu'au 24. All that we have read from verse 18 to 24. Ce sont des choses que Dieu a promis à notre bien-aimé David. Things that God promised to David. C'est par là, bien-aimé, nous voulons tirer une prière. It's from them, my beloved. Lord Jesus,
Nous devons répéter bien aimé à l'Igara. Amen. Amen. Quoi qu'on dise, c'est. Si nous sommes dans 2 Samuel, chapitre 7, verset 22. Amen. 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 Vous me suivez à l'Igara, c'est Malo qui traduit en anglais. Nkolo Yahweh, yo, aux animaux. Oh Lord, you are great. Obele yo moto, aux animaux. Only you is God. Mususu oy akokali na yo azalite. There is no one like you. Ulaki sete makambu oyo tokaka ezali ya solo. You have shown that what we hear is true. Amen, amen. Amen. Verset. Si ko Yahweh kokisa libela malonga oyo olobaki po na ngai pe po na liboto na ngai. And now, O Lord, make true those words that you have said. Myself and my family. Do as you said. Babylon within you, how many things has God promised you? How many things has God promised for your family? May that this afternoon God's promise be accomplished in Jesus' name. Verse 28. In Jesus' name. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. May God bless you.